Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel unboxing dans lequel on va ouvrir un casque de la marque One Audio, une marque avec laquelle je collabore et avec laquelle j'ai pu ouvrir de nombreux casques. Et aujourd'hui, ils m'ont envoyé un casque Bluetooth avec une autonomie de 80 heures et un petit prix. J'ai hâte de savoir ce qu'ils ont fait pour pouvoir proposer ce produit à un prix très compétitif. Possédant le Bluetooth 5.0, je pense que ce casque sera très pratique pour les gens qui veulent écouter de la musique ou jouer tout simplement, sans avoir ce foutu fil qui va nous saouler pendant qu'on joue, et encore pire si on fait du sport. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo, et surtout activer la cloche des notifications, c'est important. N'hésitez pas à regarder si c'est pas déjà fait, ça me ferait très plaisir et c'est important pour la chaîne. Donc écoutez, c'est parti pour ouvrir le studio wireless C de la marque One Audio, ce spécialiste de l'audio avec lequel j'ai pu collaborer de nombreuses fois. Donc c'est parti pour ouvrir le colis qui est juste ici. Et bien on est donc parti pour l'ouverture de ce colis. Donc c'est parti les amis, j'ai déjà entre-ouvert, je suis désolé. Et on peut voir que One Audio a une particularité au niveau du packaging. Il se concentre sur l'essentiel. Niveau logistique les gars, clairement ça tient là-dedans. Autant vous dire que je trouve ça tout petit pour la taille du casque en fait, tout simplement, ils sont très forts. Le tout m'a été envoyé dans un autre colis avec du rembourrage pour pas que ça s'abîme durant le transport. Et ça on aime les gars, mais qu'est-ce qu'on aime. Donc c'est parti, le procès de chez One Audio. Il est wireless. Ah ça j'aime bien. J'aime bien pourquoi? Parce qu'à chaque fois One Audio il nous offre un petit sachet pour ranger le casque. Et c'est une attention assez particulière à la sécurité, enfin à la résistance de leurs produits et à la protection de leurs produits. De un ça protège durant l'envoi. Et de deux, et on se dit quand même la marque nous envoie ça. C'est assez cool, c'est généreux de leur part et on aura quelque chose pour le ranger si jamais on veut le transporter ou quoi. Je trouve ça toujours mieux et toujours plus présentable. Et là on a le casque. Alors le casque, il faut savoir que hors réduction, il a 55 euros, je crois. C'est exact, 55 euros hors réduction. On a le Bluetooth 5.0, il est donc sans fil, mais il peut s'utiliser avec un fil évidemment. Et on aura une durée de 80 heures. Les gars, c'est énorme, 80 heures, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Par contre, un temps de charge entre 4 et 5 heures. Donc autant vous dire qu'on comprend pourquoi il y a autant d'heures d'écoute possible, parce que le chargement est long. Et ensuite, on connaît les produits de chez One Audio, ils sont très agréables à porter. Ils sont réglables, ajustables, et généralement, il n'y a aucun souci sur la qualité de leurs produits quand on les porte. Je n'ai jamais eu ce genre de problème et je sais que chez eux, ils y pensent. Ils y pensent sincèrement et ce sont des professionnels de l'audio, donc autant vous dire que ça, et en fait ils pensent à tout. On pense pas, mais il y a beaucoup de choses à avoir sur un casque pour que ce soit de bonne qualité. On a donc un câble jack et un câble USB normal avec une micro prise pour pouvoir le recharger. Et du coup on a une notice et des petits papiers. Bon, c'est plutôt pas mal. Il y a toujours une partie dans mes vidéos où est-ce que j'essaye de comprendre le produit, même si je m'informe avant, je fais une petite fiche caractéristique avec toutes les informations nécessaires pour que vous compreniez bien le produit. Mais il y a quand même cette phase de recherche, où est le bouton, où est-ce que j'appuie. Ok, donc là il y a trois boutons, on va appuyer dessus, ça clignote bleu et rouge, ça doit sans doute rechercher un périphérique Bluetooth. En tout cas le packaging est très bien foutu, très optimisé, très bien protégé. On a ça qui va avec, qui est très cool. Le tout envoyé dans un colis qui est encore protégé, donc autant vous dire que durant l'envoi, généralement, il n'y a aucun souci. Écoutez, le mieux à faire, je pense, ce serait de faire une cinématique et de tout détailler. Mais pour l'instant, on est sur un produit qui est très correct, en simili-cuir, avec des coussins très agréable à porter. On commence à connaître One Audio. On est donc parti pour la cinématique. On se retrouve donc pour la cinématique du studio wireless C de chez One Audio. Un casque sans fil qui coûtera 55 euros hors réduction, qui a le Bluetooth 5.0. Au niveau de la batterie, on retrouvera 1000 mAh et un temps de charge entre 4 et 5 heures. Une durée d'écoute de 80 heures, ce qui est complètement énorme. Et on aura des haut-parleurs avec un diamètre de 50 mm. Le casque sera ajustable et agréable à porter grâce au coussin. On a un micro intégré à l'intérieur, une connexion rapide et stable grâce au Bluetooth 5.0, ce qui assure une connexion jusqu'à 10 mètres éloignée de votre téléphone ou appareil connecté à votre casque. Et bien on est donc parti pour le test de ce casque les amis. Donc on va l'allumer et on va le connecter. On va voir si c'est rapide pour le connecter ou non. Donc je l'allume et ça clignote déjà en bleu. Donc on va aller voir dans les périphériques Bluetooth Studio Wireless. Je les ai, je clique dessus et je vais pouvoir les mettre sur ma tête. Je les ai connectés en moins de 1 minute. Donc c'est parti, je vais les mettre sur la tête et je vais pouvoir ajuster. On a des belles coutures rouges sur le dessus. C'est assez agréable. Ok, donc je vais pouvoir aller sur Spotify, écouter un son et vous dire le plus honnêtement possible ce que je ressens quand je l'écoute. Alors déjà, il est agréable à porter et en plus on peut l'ajuster parce que sinon ça aurait été un petit peu galère. On peut l'ajuster, c'est parfait. On peut augmenter le son avec les boutons sur le côté. Mais surtout, parlons du son les amis, parlons du son. Alors on va pouvoir entendre les détails qu'on ne peut pas entendre forcément que si je l'avais sur mon haut-parleur
tout comme ça les gars. Si juste le son sortait de mon téléphone, on n'aurait pas pu entendre les détails. Et là on peut entendre clairement les détails. Et par contre les gars, quand on va augmenter, ça va pas saturer. On va au contraire entendre les basses de façon plus profonde. On entend les basses derrière, mais ça fait vibrer et c'est assez cool à entendre. Alors que généralement, quand on augmente le son de certains casques, on va avoir tendance à avoir un son un petit peu déformé ou beaucoup trop fort pour que ce soit appréciable. Là, on va pouvoir bien entendre les petits détails qui vont faire qu'on va reconnaître des sons par rapport à des autres. Toutes les petites subtilités cachées dans les sons, on pourra les entendre. Et en plus de ça, on pourra le mettre assez fort sans pour autant que ce soit horrible ou inaudible. Les basses rendent l'expérience utilisateur assez agréable parce que quand on écoute le son et qu'il y a des bonnes basses qui vibrent derrière, ça fait toujours plaisir à entendre. On va pas mettre la tête dans le caisson non plus, mais ce que je veux dire les gars, c'est qu'on est vraiment cool sur cet objet pour environ 55€ maximum au prix boutique hors réduction. On est très bien, sans parler de l'autonomie les gars. Pour l'instant, le test est validé. Maintenant, on va écouter un son en 8D, je crois. J'aime bien faire ce test pour voir le côté 7.1 du casque, même si c'est pas forcément la chose qu'on attend d'un casque pour par exemple écouter juste de la musique dehors, mais plutôt pour jouer à des jeux. Là, on va quand même écouter. Donc là c'est de la 8D et j'entends l'instru tourner autour de moi. Ça fait toujours sourire en se croyant à un concert. Premier son validé mais complètement. Deuxième son. Alors on entend très bien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on entend vraiment la musique tourner autour de soi, même par-dessus, même derrière, même devant. C'est assez agréable et en plus le côté d'avoir des basses qui sont très nettes et excellentes à écouter, ça renforce encore plus ce côté concert qu'on retrouve avec de la 8D par exemple. Donc ce qui est le son dans un environnement 3D, c'est complètement réussi. Bon écoutez, je pense qu'on va passer à la conclusion parce que effectivement je reste assez impressionné de ne pas trouver de défaut à ce produit. Il n'y a aucune chose qui m'a fait tilt ou qui me choque réellement. Mais bref, on va détailler tout ça dans la conclusion, donc c'est parti pour la conclusion. Ce qu'il faut prendre en compte les gars, c'est que le casque coûte hors réduction 55€ et que c'est relativement pas cher pour un casque qui est Bluetooth et qui va pouvoir nous permettre d'écouter de la musique pendant 80 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est tout simplement énorme. Le Bluetooth, on a pu le connecter en moins de 1 minute. Ça, c'est vraiment royal. Et je viens de dire que la distance maximale entre votre téléphone et le casque peut être de 10 mètres. Ce qui est assez grand et c'est pratique. Je vous jure que quand vous faites du sport et que par exemple votre téléphone charge, c'est toujours pratique d'être un petit peu loin de son téléphone quand on est avec son casque ou quoi pour aller faire quelque chose. Mais le point sur lequel je reste le plus satisfait, c'est la hauteur du son. Ce que j'appelle la hauteur du son, en fait, c'est le volume qu'on va mettre. Quand on va le mettre fort, ça va tout simplement améliorer les basses. Enfin du moins, ça va jouer sur les basses. Néanmoins, le point sur lequel je reste le plus satisfait, ce sera les basses. Pourquoi ? Parce que quand on va augmenter le son, ça va pas nous corner dans les oreilles, ça va tout simplement faire en sorte que les basses s'entendent plus et ça va être plus agréable à écouter. Écoutez, je pense que ce casque est complètement validé et ça va être très pratique de l'utiliser si vous ne voulez pas avoir de fil. Et en plus 80 heures, mais c'est royal. C'est royal parce que 80 heures, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Généralement sur les produits sans fil, c'est vraiment le petit truc qui peut déranger, c'est le niveau de batterie. Est-ce que la batterie est performante ou non? Et quand c'est pas le cas, c'est rapidement chiant. Écoutez, tous les liens se trouvent en description si vous voulez faire un petit tour sur le site de One Audio. Je les remercie encore une fois de me permettre de collaborer avec eux pour que je puisse vous présenter des produits que je trouve qualitatifs parce que ça fait plusieurs fois que je collabore avec eux et je connais leur qualité, je connais leur marque. Ils sont spécialisés dans l'audio et ça se ressent. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.